Distinguished guests, colleagues and friends. Welcome to the Global Diaspora. Chers invités, je vous invite au sommet mondial de la diaspora 2022. Je suis ravie de co-présider cet événement avec la République d'Irlande, République avec laquelle nous avons beaucoup d'éléments communs en matière de diaspora, puisqu'il y a une diaspora très vibrante en Irlande avec de nombreuses personnes, 17 millions en l'occurrence. C'est quelque chose qui résonne particulièrement avec la vision de l'OIM. Donc, pourquoi est-ce que ce sommet est si important? Eh bien, 10 années sont passées depuis la dernière fois que les ministres en charge de la diaspora se sont rencontrés à Genève pour parler lors du dialogue sur la migration. Et de tels changements se sont produits qu'on a pu identifier le fait que la diaspora était particulièrement importante dans la façon de façonner les relations internationales. Et cela a mené à l'adoption du pacte de Marrakech. Ce pacte reconnaît l'importance de créer l'espace et les conditions pour l'engagement de la diaspora et ainsi fournir un cadre d'action. Un cadre qui va aider à construire une relation durable et forte. Tout cela en continuant à engager la diaspora pour son soutien quand on en a besoin. De plus, la diaspora joue un rôle clé et a une voix particulièrement importante dans tout ce qui concerne les migrants. Cela veut dire qu'il faut qu'on partage des informations sur les migrations sûres et ordonnées, et il faut également qu'on facilite l'accès à cela. Ce qui est également très important, c'est de prévenir les candidats à la migration sur les difficultés liées à la migration. Il s'agit d'opportunités de sauver des vies, mais c'est aussi une responsabilité que nous portons tous. Les diasporas ont montré l'importance de leur rôle lors de la pandémie de COVID-19, au cours de laquelle les migrants ont été reconnus comme les travailleurs essentiels qui pouvaient aider les docteurs, les agriculteurs dans le monde entier. Ils jouent donc un rôle essentiel également dans la crise ukrainienne actuelle, en fournissant leur expérience et leur expertise technique. C'est notamment le cas avec les lignes d'appel pour les personnes qui ont besoin de soutien au niveau mental. Nous travaillons avec des psychologues de la diaspora, mais aussi en engageant la diaspora des personnes en Ukraine qui ne peuvent pas quitter le pays et qui sont vulnérables. Les réseaux virtuels de la diaspora sont à peu près les seuls réseaux qui peuvent aider les migrants, puisqu'ils leur permettent d'être écoutés dans leur langue. Nous allons aujourd'hui partager nos expériences et les leçons que nous avons apprises et également identifier des façons concrètes de renforcer les partenariats avec la diaspora, de mettre en place des politiques de développement et des réponses appropriées sur le terrain. Assurons-nous que le document résultant de ces discussions soit particulièrement pertinent et de nous engager pour le premier forum d'examen des migrations internationales qui va avoir lieu dans quelques semaines. C'est une réelle opportunité d'intégrer la voix des migrants lors de ce forum, le FEMI. Je vous souhaite un sommet particulièrement réussi et riche. Je vous remercie. Welcome to Dublin.
Bonjour à tous et bienvenue à Dublin. L'Irlande est fière d'être l'hôte de ce sommet mondial de la diaspora. C'est un sommet particulièrement important qui a lieu lors de la résurgence de conflits et de migrations, qui sont notamment le résultat du changement climatique. En répondant à ces défis, la diaspora mondiale est une grande source de soutien. Notre diaspora et nos communautés se sont forgées lors de difficultés, que ce soit dans le pays d'origine et dans le pays d'accueil. Ça nous a rendus forts et résilients. Il y a des communautés qui souhaitent redonner ce qu'elles ont reçu à leurs familles qui sont restées au pays. Et il s'agit donc de tissus de connexion au sein de l'humanité, puisqu'il y a un partage de culture entre les générations. Comme nous le voyons aujourd'hui, pour la situation de l'Ukraine, la diaspora mondiale fournit une aide humanitaire incroyable pour ceux qui ont perdu leur domicile. Je pense que ce sommet va renforcer les contributions qui peuvent être effectuées par la diaspora mondiale. Et je vous souhaite à tous le meilleur lors de vos délibérations des jours qui viennent. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Nous allons parler de l'humanitarisme de la diaspora, la percée de la COVID-19. Je m'appelle Béchar Ahmed, je travaille pour Shabaka. C'est une organisation qui se focalise sur l'aide humanitaire. Je vais être la modératrice de cette session. Je vais vous donner un petit aperçu résumé sur l'importance de cette session. Il y a de nombreux éléments qui montrent que les acteurs de la diaspora sont des acteurs majeurs en matière de développement grâce à leurs contributions financières notamment. Les réseaux liés à la diaspora sont de véritables atouts qui nous permettent d'être efficaces auprès des communautés que nous cherchons à servir. Elle joue un rôle particulièrement important, elle est en première ligne, particulièrement lors de la pandémie, et elle nous permet de travailler dans les zones où il y a besoin d'aide humanitaire notamment, que ce soit dans notre pays ou à l'étranger. Et c'est pour cela que ce type de discussions sont particulièrement importantes. On prend en compte les aspects du développement et aussi les aspects humanitaires. Cela nous permet d'avoir une ouverture avec des acteurs qui ne sont pas forcément issus du monde humanitaire à la base. Donc, ce n'est pas un axe de discussion que je souhaite suggérer. Nous allons avoir plusieurs intervenants qui vont nous faire des présentations particulièrement intéressantes. Tout d'abord, il va y avoir des occasions pour vous de poser des questions grâce à la fonction questions-réponses et grâce également à la messagerie. Il y a plusieurs langues disponibles aujourd'hui, le français, l'espagnol, l'anglais, le russe et le chinois. Regardez en bas de votre écran, il y a un petit globe et vous pourrez choisir la langue qui vous convient. Je pense que vous êtes maintenant familier avec la plateforme. Mais je vous rappelle qu'il faut que vous soyez silencieux, que votre micro soit barré lorsque vous ne parlez pas. Et lorsque vous aurez l'occasion de poser vos questions, s'il vous plaît, assurez-vous qu'elles soient courtes pour que tout le monde puisse s'exprimer aujourd'hui. Et finalement, n'hésitez pas à contribuer de façon active. Vos pensées, vos réflexions sont particulièrement importantes pour la constitution de cette discussion. Ce que je souhaitais faire maintenant, c'était présenter notre première intervenante, Miggo Aiduktece. Lors de la dernière décade, elle a travaillé sur l'engagement de la diaspora. Elle travaille notamment au Conseil pour les réfugiés danois et travaille sur une initiative qui s'appelle l'initiative DEMAC et qui traite de l'engagement de la diaspora.
Elle a également travaillé à intégrer davantage la diaspora dans l'écosystème humanitaire. Elle pense que la diaspora joue un rôle important dans ce domaine et ça a été confirmé ces dernières années. Sans plus attendre, Mingo, je vous donne la parole. Merci Bachir, merci pour la présentation très agréable. Bonjour à tous, je suis particulièrement honorée de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant des participants qui sont particulièrement intéressants. L'engagement de la diaspora et notamment la réponse d'urgence de la diaspora, ça a été ma source de travail ces dernières années, mais c'est aussi ma passion. Donc, je suis ravie de partager mon expérience avec vous et d'écouter vos contributions. Il y a une lacune. La crise du COVID a mis l'accent sur les problèmes qu'il y a en matière d'engagement de la diaspora. Je ne vais pas parler particulièrement de la diaspora et de la COVID-19, mais je vais plutôt partager des réflexions par rapport à mon travail dans ce domaine. J'ai préparé une présentation pour être sûre que mes concepts clés soient affichés à l'écran. Je vais maintenant essayer de partager mon écran. Voyons si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez mon écran qui dit les débuts? Oui, je vois. Je vois tout ça. C'est parfait. Alors, comment est-ce que je peux changer de page? Ça y est, c'est bon. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, donc l'engagement de la diaspora dans les zones de conflit en 2012, et notamment sur l'humanitarisme de la diaspora en 2015, l'engagement de la diaspora, c'était quelque chose qui n'était pas du tout pris en compte dans le secteur humanitaire, contrairement au secteur du développement, où il y a une histoire bien plus longue. Moi, je viens d'une de ces organisations humanitaires et j'avais de nombreux collègues qui doutaient beaucoup de ce que je voulais étudier, donc c'est-à-dire le volume et les valeurs de l'engagement de la diaspora. Certains de mes collègues continuaient à remettre en cause mes idées et la valeur de ce que nous faisons. Donc, ça a pris du temps, ça a pris de la patience pour continuer à travailler dans ce type d'environnement qui ignorait complètement mes recherches. Comme nous le savons tous, une définition a été donnée et il a été envisagé que, justement, le secteur humanitaire ne pouvait pas se suffire vu l'étendue de son travail. C'est dans ce contexte que j'ai effectué une réflexion particulièrement poussée sur l'importance d'engager la diaspora. C'est pour cela que j'ai commencé à travailler sur l'initiative DEMAC pour soutenir la reconnaissance du rôle de la diaspora en tant que mécanisme de première réponse dans presque tous les pays du monde. Ça a été un voyage particulièrement long et fascinant. Et je souhaite maintenant partager quelques réflexions sur ce qui a été une réussite et la façon dont les choses évoluent. Je vais maintenant parler des choses qui sont importantes en matière de programmes de soutien de la diaspora. Quelques réflexions générales à cet égard. Je pense que de nombreux programmes de soutien de la diaspora pour lesquels j'ai travaillé au cours des dernières années, ne se focalisent pas forcément assez sur la diaspora. Moi, je ne vois rien de négatif par rapport à cela, mais il faut vraiment qu'on évalue le rôle qu'on peut jouer et qu'on ne peut pas jouer dans cet environnement, puisque c'est un écosystème assez complexe. Des initiatives comme la DEMAC ne représentent pas la diaspora, mais elles sont au service de la diaspora.
Il s'agit de mettre en place des activités qui correspondent aux besoins et aux exigences de la diaspora. L'idée, c'est de développer le rôle, le pouvoir des organisations avec lesquelles on travaille, notamment, par exemple, le Conseil des réfugiés du Danemark. Et nous avons la responsabilité de partager cette expertise et ce pouvoir pour le bien commun. Et cela vaut également pour nos partenaires, puisqu'ils représentent au moins 15% de la diaspora et des personnes qui travaillent dans le secteur de l'humanitaire. Il s'agit donc d'utiliser ces ressources au service de l'aide humanitaire. Et il s'agit de créer des ponts entre les systèmes les plus institutionnalisés et la réponse d'urgence. Une autre réflexion qui est basée sur mon expérience personnelle de travail avec différents acteurs, l'expertise technique n'est pas suffisante, notamment du point de vue de quelqu'un qui est extérieur à la diaspora. Il s'agit de créer des relations et une confiance. Ce sont des moyens qui doivent être... Nous devons être particulièrement transparents dans nos actions, dans nos objectifs. Nous devons être honnêtes par rapport à ce que nous sommes capables de faire et ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et il faut également que nous soyons responsables de ce que nous faisons vis-à-vis de nos donateurs et de nos partenaires, notamment dans le domaine humanitaire. Il ne faut jamais qu'on oublie qu'on travaille pour l'aide humanitaire, pour aider les personnes qui en ont besoin, qui sont affectées par la crise. Donc, il faut vraiment construire cette confiance. Il faut qu'on connaisse les personnes avec qui on travaille, c'est-à-dire il faut qu'on soit curieux, savoir pourquoi on travaille dans ce domaine et s'assurer qu'il y ait une compréhension claire des dynamiques de l'aide. Il faut vraiment que nous prenions en compte que le contexte est un élément clé et qu'il faut des approches personnalisées. Je pense qu'il est très important de travailler de façon durable à long terme. Je pense que ça ne fonctionne pas si on travaille sur des projets à court terme avec la diaspora. Il faut vraiment un engagement à long terme pour justement pouvoir créer ces relations, cette confiance, cette expertise. Un autre facteur qui est particulièrement important, c'est de montrer donc notre responsabilité. Les projets qui fonctionnent, fonctionnent quand on sait approprier les projets. Quand on travaille avec la diaspora, il faut qu'on s'assure que notre soutien repose sur leur engagement actif. Et il faut que l'engagement soit le meilleur possible. Pour vous donner un exemple, l'Ukraine a été mentionnée à plusieurs reprises. Nous avons des réunions hebdomadaires de coordination pour soutenir les organisations sur place dans cet envoi d'aide d'urgence. Et les personnes qui rejoignent ces groupes de coordination sont en augmentation chaque semaine, parce qu'on voit vraiment qu'il y a besoin de cette coordination dans la réponse. Un point clé également, en plus de ces 5 points clés, c'est qu'il faut vraiment avoir la même approche pour comprendre le contexte, montrer notre appartenance au système humanitaire. Ce système peut paraître un peu hégémonique, standardisé et géant. Mais en fait, il est basé sur des personnes qui ont envie de faire une vraie différence pour les personnes qui sont affectées par une crise. Donc, il faut vraiment également travailler dans le respect et la confiance. Quelques réflexions sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné vis-à-vis des décideurs politiques. Donc, je pense que là, il s'agit d'acteurs de l'écosystème
et qui peuvent avoir également un impact sur le fonctionnement de cet écosystème. Alors, tout d'abord, il ne faut pas attendre de développer ces politiques. Il ne faut pas attendre que la prochaine crise survienne. Je crois que le partenariat, la collaboration doit être stratégique et doit également être prévu à l'avance plutôt que d'être en réaction à des crises. Ce qui est important, c'est d'intégrer la diaspora dans le cadre de l'élaboration des stratégies et des plans. Ce travail doit être fondé sur la confiance et doit être pérenne. J'ai constaté un rejet de la part de la diaspora de politiques élaborées par le gouvernement. Les diasporas ont refusé les projets lorsqu'elles ont l'impression d'avoir été laissées de côté dans le cadre de l'élaboration de ces politiques. Parce que, donc, il y a un rejet parce que les diasporas ont l'impression que ces politiques ne vont pas dans le bon sens. Il faut également éviter de créer des obstacles. Les diasporas savent ce qu'il faut faire, mais il faut également faire attention de ne pas seulement se concentrer sur la diaspora et d'intégrer également tous les autres acteurs qui doivent également avoir voix au chapitre. Il ne faut pas instrumentaliser également la diaspora, et ça c'est quelque chose que l'on a constaté, il ne faut pas le faire, que ce soit dans les pays de résidence comme les pays d'origine, et c'est bien souvent un écueil dans lequel tombent les politiques nationales. Et bien souvent, ça se traduit par un échec de l'engagement de la diaspora. Il ne faut pas coopter, mais il faut bien coopérer. Donc, il faut toujours être curieux, savoir ce que souhaite la diaspora et toujours essayer de trouver des points d'entente, des terrains d'entente. Donc, voilà ce qu'il en est concernant les décideurs politiques. Alors, est-ce que j'ai encore un peu de temps ou je suis en retard? Très bien. Donc, quelques réflexions critiques tirées de nos travaux. Donc, je viens d'une organisation humanitaire, donc je travaille beaucoup sur des domaines plus grands d'inclusivité, de la localisation, de l'aide humanitaire, l'importance des organisations locales qui doivent être chefs de file dans les solutions aux crises, et ce, de la plus grande manière possible. Il faut également trouver des solutions pragmatiques pour garantir le bon fonctionnement de cet écosystème. Et je crois que ce qui est important, c'est que les diasporas puissent également bien comprendre leur rôle dans cet écosystème, qui est local, qui est la diaspora dans la dynamique locale. Je crois que ce sont des concepts qui méritent d'être bien définis. Parce que bien souvent, dans certains contextes, les organisations locales sont cooptées par la diaspora, donc par l'extérieur. Et donc, elles font partie de cet écosystème social, mais elles sont influencées par des personnes extérieures à la crise sur le terrain. Donc, ce sont voilà, des concepts importants. Et bien sûr, je me le dis, je le dis à mon équipe, l'aide humanitaire, ce n'est pas une compétition. Ça se fonde sur la complémentarité, répondre aux besoins des personnes sur le terrain, c'est ce qui est le plus important. Et bien souvent, il est facile de tomber dans cet écueil qui consiste à ignorer tout cela et à s'adonner à de la compétition. Alors, je tiens à vous remercier tout d'abord. Je remercie l'ensemble de ces personnes qui travaillent sans relâche, qui sont passionnées, de ces personnes que j'ai eu la chance de rencontrer au cours de ma carrière, des gens qui font partie du système, qui font partie de la diaspora, et des gens qui sont extérieurs à cet écosystème. Je tiens à vous remercier parce que vous avez été pour moi des sources d'inspiration, des sources intarissables d'inspiration. Et je tiens en ce sens à vous remercier. Et c'en est tout pour moi. Je vous remercie. Je crois que l'on pourrait parler pendant des jours de ces différents concepts que vous avez évoqués. Je suis sûre que nous aurons l'occasion de le faire. J'aimerais également relever ce que vous avez dit concernant le besoin de coopération. Je vais sans plus attendre donner la parole à notre second orateur, Mohamed Bachir, qui travaille en Somalie.
Il a fondé une organisation en matière de marketing qui travaille également dans le design. Donc, c'est un homme d'affaires et il est également à la tête d'une organisation locale, Orange House, qui est un réseau de diaspora de Somalie qui est basé à Mogadiscio. Il a beaucoup d'expérience en photographie, en design numérique, en communication. Et il a un diplôme en design. C'est en 2015 qu'il est retourné à Mogadiscio pour lancer son organisation. Il a aidé de nombreuses personnes travaillant dans le secteur de la créativité dans son pays. Il a également été nommé en tant qu'acteur de la créativité en Afrique. Donc, c'est un très beau CV pour une personne si jeune et je suis ravie donc de vous accueillir. J'attends avec impatience d'entendre votre expérience. La parole est à vous. Un grand merci, j'espère que vous pouvez m'entendre. Je vous salue tous et toutes participant à ce forum. Je suis Mohamed Bachir Osman. J'ai fondé une organisation, Orange House. Donc, c'est une combinaison, en fait, de deux mots somaliens qui donnent Orange House en anglais. Donc, qui s'appelle Gori Orange. Donc, il s'agit d'une organisation fondée sur la diaspora qui vise à faire des activités de plaidoyer, à créer des liens et à organiser les communautés somaliennes partout dans le monde. Tout a commencé en 2016. Nous étions un petit groupe de Somaliens vivant aux Pays-Bas. Nous étions des jeunes entrepreneurs, des investisseurs, des professionnels, et ont joué un rôle actif dans le développement économique, politique et social de notre pays, la Somalie. Donc, Orange House, mon organisation, va bien au-delà des Pays-Bas, va bien au-delà de la Somalie. Notre objectif, c'est de faciliter les échanges entre les entreprises néerlandaises et les entreprises somaliennes et permettre donc des opportunités d'investissement en Somalie, et ce, dans de nombreux domaines. Et notre objectif était également d'influer sur les décisions politiques. Donc, il s'agit d'une plateforme au service de la diaspora somalienne aux Pays-Bas. Nous jouons un rôle actif dans de nombreux secteurs, notamment dans le secteur du marketing. Nous essayons également de mettre en lumière les opportunités économiques en Somalie. Nous travaillons main dans la main avec les entreprises. Nous accompagnons sur des points plus pratiques nos membres. Nous organisons des réunions et créons des sessions de réseautage, notamment par l'intermédiaire de visites sur le terrain. Donc, notre objectif, c'est d'aider les Néerlandais, mais aussi d'autres personnes souhaitant faire des activités en Somalie. Nous suivons de près la relation entre les Pays-Bas et la Somalie et au cours des dernières années, et depuis la création de notre organisation, nous avons pu trouver une position en Somalie. Notre objectif, c'est donc de créer une communauté et créer des liens entre le pays d'origine et le pays de résidence pour vraiment tisser une relation entre ces deux pays, entre notre pays d'adoption, les Pays-Bas, et notre pays d'origine, la Somalie. Alors, nous contribuons sur le plan des affaires, mais aussi s'agissant
d'autres types de relations, outre les relations économiques. Un récent rapport concernant les investissements en Somalie, publié en 2021, nous montre que les Pays-Bas sont le premier pays en matière d'investissement en Somalie avec 21%, puis la Suède. Donc, les principales entreprises qui investissent dans mon pays, la Somalie, sont des entreprises néerlandaises. To Somalia, in many sectors in Somalia, to be the top. Notre objectif en Somalie, c'est vraiment de faire partie des principales organisations permettant de tisser des réseaux commerciaux avec les Pays-Bas. Nous voulons, en ce sens, accompagner également les entreprises néerlandaises pour qu'elles puissent continuer. Merci, Mohamed. C'est très intéressant de voir que vous ne mettez pas l'accent sur la Somalie. Vous essayez vraiment de créer des ponts avec les Pays-Bas. Et c'est assez fascinant de voir comment vous vous y êtes pris. Je tiens donc à vous remercier. Et personnellement, j'ai beaucoup de questions, mais j'aimerais donner la parole à nos participants. S'il y a des commentaires, s'il y a des questions pour nos orateurs, nos oratrices, n'hésitez pas à les poser, notamment concernant des recommandations politiques. Si vous avez également des expériences à partager concernant les actions politiques humanitaires avec la diaspora. Donc, vous pouvez publier vos questions ici. Nous avons une question de la part de Martine Russell. Martine, s'il vous plaît, allumez votre micro et puis n'hésitez pas à faire votre commentaire. Merci, Bachar. Un grand merci à tous mes collègues. C'est un plaisir d'être ici avec vous et de voir que vous êtes tous connectés. Concernant la localisation, c'est bien souvent un sujet que l'on ignore. Alors, j'aimerais partager avec vous une petite anecdote. Donc, concernant des arrêts de bus, à Londres, c'est assez régulier, 10-15 minutes. Et un membre de la diaspora qui venait de Londres et qui est arrivé à Dublin disait « Mais quand est-ce qu'est le prochain bus ?» Et l'Irlandais a répondu « Eh bien, le bus sera là quand il sera là. » Donc, c'est intéressant de voir ce lien entre ce qui se passe dans le pays d'origine, le pays de destination et créer une relation. La diaspora sait quels sont les besoins sur le terrain, mais donc il faut les intégrer pour bien élaborer et définir ces liens. J'aimerais rebondir sur ce qui a été dit. Donc, il y a une émergence de crise, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Donc, il convient de se mobiliser, de faire montre de bonne volonté. Il y a différents types d'engagements de la part de la diaspora, parfois des engagements plus stratégiques et parfois des réactions plus immédiates. Mais je crois qu'il faut aussi se tourner vers l'avenir, trouver des solutions pérennes sur l'engagement de la diaspora. Donc, essayer de trouver une solution à long terme et non pas seulement se concentrer sur ce moyen terme et court terme, cette réaction. Un grand merci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux, trois commentaires, questions, et puis ensuite, je donnerai la parole à nos panélistes. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, croyez-moi, j'ai des questions à vous poser. Concernant les politiques liées à la diaspora,
Il y a beaucoup de structures, des tentatives de formalisation, des liens entre les pays d'origine et les pays d'accueil. Mais ce qui manque, c'est un cadre concernant l'action humanitaire. C'est un élément qui manque. Comment est-ce que l'on pourrait l'intégrer et à quoi ressemblerait ce cadre? Donc, je vais demander à Mingo et puis peut-être à Mohamed de revenir. Alors, serait-il possible de répéter ce que vous venez de dire? Donc, les politiques en matière de diaspora, comment serait-il possible d'intégrer un élément de réaction humanitaire à ce cadre de politique en matière de diaspora? Et pour rebondir sur ce que disait Martine, à l'avenir, à quoi ressemblerait cet élément, que ce soit à court, moyen et long terme? Donc, la parole est à vous. Eh bien, donc je vais commencer, si vous le permettez, concernant la sensibilité, la localisation. Je suis bien d'accord avec Martine. Eh bien, nous avons l'impression que les diasporas sont plus proches que des communautés locales, que les acteurs internationaux. Donc, il y a vraiment tout un éventail ici de niveaux, donc la diaspora qui connaît bien le niveau local et la diaspora qui la connaît moins, donc c'est d'autres acteurs plus extérieurs, donc c'est vraiment un large éventail de niveaux. Mais je pense que ce qui est important, c'est que vous soyez national, transnational, international, si vous travaillez dans une communauté spécifique, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir le respect, la curiosité, la confiance. Il faut vraiment bien comprendre le point de vue de ceux et celles qui ont besoin d'aide. Et ça doit être une priorité. Il ne faut pas non plus entrer en compétition avec les organisations sur le terrain, les organisations locales. Il faut donc se créer des principes dans nos travaux. Alors, évidemment, il n'y a pas de recette magique, mais je crois qu'il faut continuer notre réflexion en ce sens. Évidemment, les diasporas sont mieux positionnées que d'autres organisations internationales, mais c'est bien souvent facile de se dire que les diasporas sont les mieux positionnées pour savoir ce qui est nécessaire sur le terrain, mais n'oublions pas que parfois, ces diasporas ne sont pas rentrées au pays depuis plusieurs années. S'agissant de cette bonne volonté à long terme, eh bien, je pense qu'elle viendra de soi. On ne va pas suivre un plan, tout d'abord le secteur humanitaire, puis le secteur économique. Je pense qu'en fait, il s'agit de nexus qui vont de soi. Donc, il y a beaucoup de réponses humanitaires en raison de la crise et des organisations, donc, se sont adaptées à ces crises et à l'avenir, elles pourront changer et s'adapter à d'autres de crises qui surviennent dans les pays d'origine. Donc, c'est un processus assez naturel. Ceci étant dit, je crois qu'il faut réfléchir, planifier. Et il faut aussi voir dans quelle mesure cette réaction humanitaire puisse être vraiment adaptée et pertinente. Donc, il faut aller au-dessus, il faut aller au-delà de ce simple souhait de faire le bien. Il faut aussi s'organiser, planifier. Donc, voilà, ce n'est pas vraiment une réponse, mais c'est une réflexion. Can I just ask Mohamed if he has an intervention or comments on some of these? Avant de passer la parole à Georges, je voulais savoir si Mohamed avait des commentaires à faire. Qu'est-ce qui faciliterait ce type d'engagement en Somalie? Qu'est-ce qui aurait pu aider un cadre, par exemple? Des réseaux personnels pour pouvoir se connecter avec les personnes qui vivent à Mogadiscio, par exemple? Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, nous vous entendons parfaitement. En Somalie, nous avons suivi la politique de la Somalie
je crois que plus de la moitié de la population, c'est une diaspora. Il me semble que Mingo a mentionné l'aspect local de la diaspora et le rôle que celle-ci a joué en Somalie dans les discussions politiques par le passé. Nous pouvons insister sur le fait que de nombreux migrants de retour issus de la diaspora. There are no such as policies that diaspora itself. Ne sont pas concernés par des politiques que la diaspora auxquelles la diaspora a contribué. Par le passé, nous avons vu qu'en Somalie, more than now 15 years ago, there was il y a plus d'une quinzaine d'années. C'était une problématique particulière et le fédéralisme de Somalie divise la diaspora. Certains migrants de retour y sont opposés, par exemple. Et c'est un des aspects particuliers de l'engagement de la diaspora. Il y a eu de nombreuses actions pour intégrer la diaspora au niveau national et ça a bien fonctionné. Ce qu'on voit au niveau pratique par rapport à la diaspora somalienne, c'est que chaque fois qu'il y a une urgence qui apparaît en Somalie, par exemple, à l'heure actuelle, il y a de la sécheresse dans certaines parties de la Somalie et il y a des contributions particulièrement importantes de la diaspora somalienne. Mais par contre, au niveau politique, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de politique qui cible la diaspora pour l'intégrer davantage justement au processus politique. Depuis l'effondrement du gouvernement central de Somalie, les membres de la diaspora contribuent à aider leur pays d'origine dans cette situation difficile. Merci beaucoup, Mohamed. C'était particulièrement intéressant, ces réflexions au niveau pratique. Je vais continuer à prendre des questions et des commentaires. Puis nous reviendrons vers nos intervenants. Je vais prendre deux questions supplémentaires. George, la parole est à vous. Nous ne vous entendons pas. Ce que je suggère, George, est-ce que ça fonctionne maintenant? Je suis désolée. Chaque fois que je branche ou débranche mon ordinateur, ça ne fonctionne plus. Veuillez m'excuser. Ma question, c'est d'établir le lien entre ce que Mingo a dit et ce que Mohamed a dit. Mingo a parlé du transfert d'action du niveau local au niveau international. Il n'est pas facile de savoir qui est vraiment local, qui ne l'est pas. Au niveau de l'aide humanitaire, pour relier ceci à l'expérience de Mohamed, on pourrait dire qu'il y a un continuum entre les personnes qui travaillent dans le domaine humanitaire et celles qui travaillent plutôt dans le domaine du développement, jusqu'aux personnes du secteur privé, via d'autres groupes de la société qui ne sont pas forcément orientés vers l'aspect commercial. Ce que je voudrais dire, en tout cas, c'est qu'il y a différents types d'expertise. L'expertise locale, l'expertise technique, qui peut être un peu plus élevée au niveau international notamment. Et de la même façon, ce continuum des organisations du développement ou humanitaire vers le secteur privé, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a différents niveaux pour évaluer cela. Les personnes qui retournent dans leur pays d'origine peuvent être des contributeurs importants. Et quelle est la valeur ajoutée que ces personnes, ces migrants de retour, ajoutent en termes d'entrepreneuriat par rapport au réseau particulier auquel ils sont affiliés?
est-ce que ces personnes ont accès à des choses que les autres, auxquelles les autres n'ont pas accès? En fait, ma question, c'est quelle est la valeur ajoutée particulière de ces personnes au niveau de l'entrepreneuriat par rapport aux personnes locales? C'est vraiment ce sur quoi j'aimerais avoir des informations supplémentaires. Pour les personnes qui prennent la parole, n'hésitez pas à vous présenter avant de poser votre question. Donc, George, vous pouvez vous présenter. Je travaille pour l'aide irlandaise. Martine, je vous donnerai la parole très bientôt. J'ai une question de Kearney. Je ne sais pas si je prononce bien votre prénom. Bonjour, madame. Vous prononcez un peu bien mon prénom, c'est Kone Lanzeni. Je suis sous-directeur à la direction générale de la diaspora du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de la diaspora. Nous sommes heureux de participer à ce sommet mondial de la diaspora. Et au nom de la direction générale, nous adressons nos remerciements à l'OIM et à tous les participants. De notre côté, chaque deux ans, nous organisons un forum destiné à la diaspora ivoirienne où nous recueillons les recommandations de notre diaspora de par le monde. Et ensuite, nous les traduisons en actes, en actions pendant l'année qui suit. Et la troisième année, nous faisons un atelier de restitution pour voir l'état d'avancement de ces différentes recommandations. Donc, depuis 2018, la première édition a eu lieu en 2015, la deuxième édition en 2017 et la troisième édition en 2019. Et depuis 2018, avec la diaspora, on a élaboré une politique de gestion de notre diaspora que nous mettons en œuvre aussi à travers nos trois directions qui existent au niveau de la direction générale de la diaspora. À la direction de la mobilisation des compétences et des ressources de la diaspora, la direction de l'action sociale et une direction qui s'occupe de l'accueil, de la réinsertion et du suivi des actions de réinsertion. Pour notre diaspora participe au développement de notre pays en termes d'épargne, en termes de mobilisation des ressources financières, tous les projets de développement. Et aussi en termes de compétences, elle est sollicitée pour des appels d'offres, notamment au niveau de certains postes de haute responsabilité, que ce soit dans l'administration ou bien dans le privé. Donc, nous travaillons sur ces différentes thématiques aussi avec les différents partenaires techniques et financiers. Et au niveau du ministère, on a des projets en vue, notamment l'élaboration d'un outil interactif qui permettra à notre diaspora d'être régulièrement en contact avec nous et aussi la mise en place d'un fonds destiné à financer la diaspora. À la télé régionale, déjà, nous avions participé, nous avons été heureux d'apprendre que OCIDO, au niveau de l'Union africaine, a un fonds destiné à financer la diaspora. Au niveau régional, la télé du 30 mars dernier, et nous sommes vraiment heureux de savoir si OCIDO peut nous accompagner aussi sur ce axe qui va permettre vraiment de donner un éclat à notre politique. Donc, je pense que c'est quelques éclairages que j'ai à donner concernant ce que nous faisons au niveau de la Direction générale de la diaspora, qui, je vous le rappelle, existe depuis seulement 2014. Et nous appuyons aussi sur les expériences des pays frères Maroc, Sénégal, Mali, et qui ont une avance au niveau de la mobilisation de la diaspora par rapport à nous, c'est un peu plus récent quand même. Donc, merci beaucoup. Je suis disposé éventuellement s'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre. Merci beaucoup. No, thank you so much. And, merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir entendu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire au niveau du développement, au niveau de l'engagement de la diaspora. Je vais maintenant redonner la parole à nos intervenants. Ça a été une contribution particulièrement intéressante et je suis sûre que d'autres personnes peuvent également répondre. La question, c'est la façon dont on nomme la diaspora. C'est quelque chose de très fascinant parce qu'on parle d'une diaspora, mais en fait, il y a plusieurs
composante dans cette diaspora. Il y a plusieurs générations, plusieurs genres qui jouent un rôle justement dans cette diaspora. On a parlé d'entrepreneurs, de personnes du secteur médical. Donc, j'aurais souhaité entendre les réflexions de Mingo et de Mohamed par rapport à ces points particuliers. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ce nom de catégorie, on va dire chapeau, la diaspora, qui est en fait très diverse? Merci beaucoup. Ce que George a dit par rapport à la valeur de la diaspora, notamment des migrants de retour qui retournent dans leur pays d'origine, moi, je peux seulement parler de la situation en Somalie. Et pour me prendre en exemple, ma valeur pour la Somalie, si j'étais restée aux Pays-Bas les 5-6 dernières années, alors que je suis rentrée en Somalie, j'aurais peut-être pu contribuer davantage en Somalie par rapport... je n'aurais pas contribué autant à mon pays d'origine que je ne l'ai fait en rentrant plus tôt. C'est-à-dire que j'emploie des personnes. Je travaille également avec le secteur public. J'ai pu leur donner de l'aide dans certains domaines. Donc ça, c'est mon propre exemple de la valeur que j'ai apportée à mon pays. Une des plus grandes valeurs, je pense, c'est que quand quelqu'un rentre dans son pays, cette personne investit dans son pays parce que cette personne voit les opportunités qu'il y a dans ce pays. Alors que quelqu'un qui n'a pas quitté le pays ne voit pas forcément toutes ces opportunités. Et pour cette raison, grâce à la diaspora et notre temps passé dans le pays d'accueil, nous travaillons deux fois plus quand nous sommes de retour dans notre pays d'origine. Par exemple, j'ai des collègues d'université aux Pays-Bas qui, après leurs études, ont pris un travail et moi j'ai deux emplois parce que je veux contribuer à mon pays. Je pense donc que j'apporte beaucoup de valeur à moi-même, mais aussi à ma communauté. Et il faut dire aussi que la communauté qu'on a quittée reste en contact avec vous. Parce qu'elle sait que vous êtes allé à l'étranger, que vous avez reçu une formation et que vous pouvez apporter des conseils. Donc, quand vous rentrez, vous avez plus d'accès à la diaspora, vous avez également plus d'opportunités. La diaspora en Somalie a toujours contribué à améliorer la situation économique en Somalie. Et les communautés qui sont restées donc dans le pays d'origine du migrant de retour sont particulièrement reconnaissantes. Nous avons pu travailler sur des constructions, par exemple construire un hôpital, employer quelqu'un. Donc vous fournissez une valeur que vous insérez dans votre communauté d'origine. Et si je parle du côté politique, dernièrement, il y a eu de nombreux débats selon lesquels plus il y a de membres de diaspora qui rentrent en Somalie, plus ces personnes obtiennent des postes élevés dans le gouvernement. Et ça a été critiqué par les personnes au niveau local. Parce que, de notre point de vue de la diaspora, c'est intéressant d'avoir accès à ces postes. Parce que les personnes qui retournent dans leur pays d'origine sont particulièrement motivées. Et quand il a été observé que les personnes migrantes de retour obtenaient des postes intéressants dans les gouvernements, alors qu'elles étaient utiles à leur pays, les personnes locales ont déclaré qu'elles ne voulaient plus
de personnes de la diaspora parce qu'elle considérait que les personnes de la diaspora profitaient d'opportunités qu'elles-mêmes n'avaient pas. Donc, je ne veux pas juger qui que ce soit, je décris simplement la situation. Voilà la valeur de la diaspora qui retourne à son pays. Elle contribue énormément à sa communauté. Mohamed, je suis particulièrement d'accord avec vous et je pense qu'une grande partie de l'intérêt de la diaspora, c'est donc ces valeurs qui sont rajoutées, c'est cet échange de compétences, cet échange de connaissances. Vous avez l'impression d'avoir plus d'impact qu'une personne qui est restée sur place. Je pense que c'est une histoire qui va parler à beaucoup. L'autre point, c'était par rapport aux privilèges en tant que membre de la diaspora. Lorsque vous retournez dans votre pays hôte, dans votre pays d'origine, pardon. Je pense que oui, il y a un équilibre à trouver. Nous allons redonner la parole à Mingo pour recueillir vos réflexions sur ce point particulier. Et j'aimerais que vous me disiez à quoi la politique idéale doit ressembler en matière de diaspora. Je vais revenir un petit peu en arrière parce que j'ai noté des commentaires. Il me semble que Mohamed a parlé du manque d'espace en matière d'élaboration politique pour la diaspora. Effectivement, ce n'est pas toujours facile pour les membres de la diaspora de s'impliquer dans la politique parce qu'il peut y avoir beaucoup d'énergie pour être consultant, mais il n'y a pas suffisamment d'énergie en matière d'élaboration politique. Ça demande beaucoup d'énergie et pour l'instant, il n'y a pas cet espace. Ensuite, une contribution de George sur les différentes expertises. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai observé, pardon, c'est que les acteurs internationaux travaillent en général dans un cadre d'action particulier, d'engagement particulier, qui correspond aux paramètres du pays, alors que les organisations locales travaillent dans un secteur géographique limité, mais dans un nombre d'activités particulièrement important. Donc, c'est pour cela que les deux approches sont particulièrement complémentaires. Quand on travaille pendant des années avec la même communauté, on construit quelque chose qui n'existe pas au niveau international. Et ce n'est pas forcément une expertise très technique, mais encore une fois, on a besoin de complémentarité, complémentarité, complémentarité. C'est un mot-clé dans notre domaine de travail. La valeur spécifique des entrepreneurs vis-à-vis des organisations internationales. Je pense que c'est particulièrement intéressant et pour être honnête, c'est quelque chose avec lequel on a des difficultés puisque les objectifs sont différents. En tout cas, les entrepreneurs peuvent apporter des valeurs importantes. Ils sont plus souples en matière de financement. Ils arrivent à utiliser les financements d'une façon plus intéressante. Ils ont une façon différente de voir les choses et peut-être une pensée plus à long terme. Je pense que, encore une fois, la collaboration entre les deux est particulièrement intéressante. Ça me fait rire parce que je me souviens de conversations avec un membre d'Afford Royaume-Uni que j'ai rencontré. Et la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit « Vous savez, quel est votre problème? Vous voulez toujours travailler avec les gagnants ?» Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on veut travailler avec les gens qu'on considère les plus efficaces. Donc, il y a une logique qui est différente, mais encore une fois, il y a beaucoup de complémentarité. J'ai beaucoup aimé l'approche qui était mentionnée par la personne de Côte d'Ivoire. Cette approche répétitive est particulièrement intéressante en matière d'élaboration politique.
Donc, l'action, la révision de l'action, c'est particulièrement intéressant. Je pense que c'était tout. Merci. Donc, je vérifie le temps. Alors, commentaire très rapide qui va vous donner du grain à moudre concernant l'engagement intergénérationnel de la diaspora. On se concentre sur la première génération et je crois que l'Irlande là, est un bon exemple, l'interaction avec toutes les générations de la diaspora. Donc, à quoi ressemble cet engagement? Quel est le type de connexion? Qu'est-ce que l'on constate dans nos recherches? Donc, il y a aussi la question de ces différentes facettes d'identité. Alors, je sais qu'il y a deux demandes de prise de parole. Soyez bref, s'il vous plaît. Ihor, je suis désolée pour ma prononciation. Ihor, vous pouvez vous présenter. Vous pouvez également me corriger concernant la prononciation de votre nom et la parole est à vous. Merci beaucoup. Madame la modératrice, de m'avoir donné la parole. Je représente l'Ukraine, le service d'État de l'Ukraine pour les politiques et la liberté de conscience. Nous interagissons essentiellement avec la diaspora ukrainienne qui vit à l'étranger. Nous interagissons également avec les différentes communautés ethniques et les diasporas de différents pays qui vivent en Ukraine. Alors, je tiens tout d'abord à informer les participants du fait que les représentants des différentes diasporas œuvrent aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans mon pays. Je crois que je vais couper ma caméra parce que ma connexion Internet n'est pas très bonne. J'en suis désolée. Aucun problème. Poursuivez. Pour le deuxième mois d'affilée, mon pays, l'Ukraine, qui abrite de nombreuses diasporas de plusieurs dizaines de pays dans le monde, se trouve dans une situation particulièrement difficile en situation de guerre non provoquée et illégitime de la part de la Fédération de Russie. L'ensemble des communautés paye un lourd tribut aux affres de la guerre. Donc, c'est le cas notamment dans les villes à l'est de l'Ukraine. De nombreux civils ont trouvé la mort, de nombreux bâtiments ont été démolis et détruits et de nombreux enfants ont également péri. Les Russes s'en prennent aux maternités, aux hôpitaux. Des villes de plus d'un million de personnes sont ciblées. Là, je parle notamment de la ville de Mariupol et de nombreuses autres petites villes ont été complètement anéanties par des tirs de missiles et des bombardements russes. La ville de Kiev est également bombardée. Les Ukrainiens souffrent, mais également ressortissants étrangers qui se trouvent en Ukraine et qui donc représentent plusieurs diasporas. Plusieurs communautés vivent dans mon pays et sont réunies par de nombreuses organisations de la diaspora. Nombre d'organisations défendent l'Ukraine sur le champ de bataille contre l'agresseur russe. C'est notamment le cas à la frontière avec l'Ukraine, avec la Russie, ainsi que dans de nombreuses régions de mon pays. J'ai également une pensée pour nos pays voisins qui ont accueilli des ressortissants ukrainiens, à savoir la Pologne, entre autres. Tout ceci a commencé en 2014. Et nous constatons maintenant un conflit jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors malheureusement, je n'ai pas des statistiques précises à vous donner, mais selon les estimations, jusqu'à 5 millions de personnes ont fui l'Ukraine pour trouver refuge et s'abriter contre les bombardements.
de nombreux millions d'Ukrainiens sont déplacés au sein de l'Ukraine et dans ces plusieurs millions de personnes se trouvent également des membres de la diaspora. Et nombreux sont ceux également qui combattent contre l'agresseur. Je tiens à vous remercier. C'est vraiment triste d'entendre ces témoignages. Je vous remercie. Vous avez soulevé des points importants, notamment concernant la diaspora ukrainienne, mais aussi concernant l'ensemble des communautés de la diaspora en Ukraine qui essaient de faire face à ce conflit. Donc, il y a évidemment la diaspora africaine en Europe qui essaie de venir en aide aux Africains qui se trouvent, les étudiants, les travailleurs qui se trouvent en Ukraine à l'heure actuelle. Donc, quelle serait votre proposition? Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet mondial de la diaspora pour l'Ukraine? Qu'est-ce que vous ressortirez également en termes de conclusion de ce forum? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Vous m'entendez? Oui, maintenant on vous entend bien. Je suis désolée, j'ai une très mauvaise connexion. Ça arrive. Donc, nous avons de nombreuses communautés qui vivent en Ukraine. Et désormais, ces communautés agissent en tant que membres à part entière de la communauté ukrainienne. Donc, ils agissent au même titre que les citoyens ukrainiens. Ils défendent leur pays. Ils participent à différents types de travail humanitaire. Ils aident les réfugiés. Ils aident les personnes déplacées en interne. Il y a des centaines d'exemples qui illustrent ces comportements vraiment héroïques et précieux pour notre pays. Donc, je tiens à remercier l'ensemble de nos citoyens et également, je tiens à remercier la diaspora ukrainienne qui vit dans de nombreux pays étrangers et qui ne cesse d'œuvrer pour défendre mon pays. Un grand merci pour cette intervention. Je crois que c'est dans notre esprit, nous toutes et tous, la situation en Ukraine. Et c'est intéressant de voir quelle a été l'ampleur de la réponse. Je sais que l'Union européenne a également lancé un rapport avec des réflexions sur la diaspora qui œuvre depuis 2014. Le travail n'a pas commencé avec le conflit qui vient de survenir. Tout a commencé en 2014. Alors, avant de revenir à nos intervenants, une question rapide de Eric, et puis je demanderai à nos intervenants de répondre à la question d'Eric et de conclure. Alors, Eric, veuillez vous présenter. Un grand merci. Je vais m'exprimer en espagnol puisque nous avons des interprètes qui font un très bon travail. Donc, je suis Eric Hernandez, je viens du Mexique, je suis directeur de l'Institut mexicain des affaires étrangères. Nous travaillons main dans la main avec 11 millions de Mexicains, Mexicaines qui vivent partout dans le monde. La majeure partie d'entre eux vivent aux États-Unis. Alors ici, à l'occasion de cet excellent groupe de travail, je tiens à préciser que cet institut, mon institut, a été créé en 2003 et il est relié au ministère des Affaires étrangères de mon pays. Donc, nous travaillons dans le domaine des services pour la communauté, mais nous penchons également sur des thématiques liées au développement et liées à l'implication de tous les Mexicains, Mexicaines qui vivent partout dans le monde. Nous travaillons étroitement avec les Mexicains qui vivent aux États-Unis, puisqu'il y en a 36 millions. Et une grande partie de la population américaine vient du Mexique. Il y a 6 millions de Mexicains qui se trouvent aux États-Unis en situation irrégulière. Donc, nous travaillons avec la diaspora mexicaine
et nous exerçons également une influence aux États-Unis. La diaspora mexicaine a une influence aux États-Unis, notamment avec la création de services d'accompagnement pour les personnes en situation irrégulière, afin de garantir à ces personnes l'accès aux soins de santé. Avec la pandémie, nous avons mis en place une stratégie de vaccination main dans la main avec les consulats. Comme vous le savez, le Mexique dispose du réseau consulaire le plus grand au monde. Nous en avons énormément aux États-Unis. Nous avons 50 consulats aux États-Unis qui travaillent donc de concert avec la diaspora. Ces consulats existent non pas en raison de la décision de notre gouvernement, mais en raison du souhait de notre diaspora. J'aimerais également mentionner qu'en Amérique latine, nous avons constaté que notre diaspora en Europe a beaucoup souffert, tout d'abord de la pandémie et puis ensuite en raison de la crise qui nous a été décrite par notre collègue ukrainien. Des femmes infirmières se sont unies pour offrir partout en Europe des services de soins psychologiques adaptés à la diaspora. Et donc, tout ceci a été déployé avec le travail également des consulats partout en Europe. Donc, c'est vraiment le fruit du travail de la diaspora qui soutient les Mexicains, les Mexicaines à l'étranger, mais aussi toute personne hispanophone qui demande un accès à ces services proposés, donc un accès à des soins d'aide psychologique. En outre, nous avons beaucoup de contacts avec les ressortissants mexicains à l'étranger de première, deuxième, troisième génération. On veut qu'ils soient vraiment des ambassadeurs naturels de notre pays. Je vais vous partager le lien de notre institut pour que vous puissiez voir quelles sont les activités que l'on mène. Et nous avons également plaidé en faveur d'un renforcement des travaux en faveur de la diaspora au sein du gouvernement. Nous voulons également garantir aux membres de la diaspora mexicaine à l'étranger le droit de vote au Mexique. Je vous remercie de votre attention. Merci, Eric. Merci, c'est vraiment intéressant et c'est aussi intéressant de voir comment la diaspora peut travailler avec les pays d'origine, avec les gouvernements. Je crois également qu'il y a eu des soutiens de la part de la diaspora à l'étranger pour que les Mexicains en situation irrégulière aux États-Unis puissent ouvrir des comptes bancaires, puissent s'intégrer. Donc, c'est intéressant. Lorsque l'on parle de la protection des migrants, la diaspora a aussi un rôle à jouer, un rôle essentiel. Et c'est la raison pour laquelle nous devons veiller, lorsque l'on parle de l'engagement de la diaspora, on ne doit pas se concentrer sur le développement, mais aussi sur la question humanitaire, parce que la diaspora est une ressource intarissable en matière de protection en cas de crise. Quand on parle de protection physique, mais aussi on parle de santé mentale. On a aussi constaté l'implication de la diaspora lors de la pandémie et je crois que certains de nos collègues auront des petites présentations à ce sujet. Donc, il nous reste seulement quelques minutes. Je vais donc demander à Mingo et à Mohamed de conclure. J'aurais aimé que l'on ait plus de temps à consacrer à nos discussions. C'est toujours pareil, on manque de temps, mais c'était particulièrement intéressant d'entendre toutes vos contributions. Et donc, Mingo, vous avez une minute pour conclure. Alors, ce ne sera pas vraiment une conclusion. En fait, il s'agit plus d'une remarque concernant la diaspora ukrainienne. La diaspora ukrainienne est très coordonnée avec l'ensemble des ambassades ukrainiennes partout dans le monde pour essayer de coordonner les besoins en Ukraine pour voir ce que la diaspora peut offrir. Je crois que c'est un exemple positif, enthousiasmant, qui montre que la diaspora peut contribuer
aux efforts en matière humanitaire. En outre, il y a énormément de diversité dans la diaspora ukrainienne et malheureusement, de nombreux membres de la diaspora ukrainienne ne sont pas en bon terme avec le gouvernement en Ukraine et cela peut avoir des impacts sur l'implication de ces membres de la diaspora. Donc, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. En outre, nous avons travaillé beaucoup avec des Afghans, des Somaliens, et nous avons constaté que les membres de la deuxième génération interagissent avec les membres de la première génération. Donc, et il peut également y avoir des conflits entre les générations. Donc, il faut créer des séminaires également au sein de la diaspora somalienne pour essayer de remédier aux conflits entre les membres de la diaspora, essayer d'établir une situation de confiance, un dialogue. Et ça peut permettre vraiment à la diaspora, entre guillemets, d'avancer en ce sens. Donc, c'était mes remarques de conclusion. Merci. Donc, Mohamed, vous avez une minute et nous allons conclure la session. Un grand merci. Merci également à Mingo. Je tiens également à remercier à nos deux intervenants, M. Eric Hernandez et M. Ior Losowski, pour ces interventions vraiment très intéressantes. C'est intéressant de constater que les institutions œuvrent pour la coopération avec la diaspora. La diaspora, c'est vraiment un outil de développement, de coopération et de cohésion entre les organisations humanitaires et entre les gouvernements. Un grand merci. Merci à nos intervenants. Merci à l'ensemble des participants. Merci à tous ces commentaires, toutes ces participations. J'aurais aimé pouvoir tous et toutes vous entendre aujourd'hui, mais malheureusement, notre session touche à sa fin. Nous allons donc conclure. Nous allons pouvoir avoir l'occasion de reprendre nos conversations à l'occasion d'autres sessions du sommet. Je vous remercie pour cette session très intéressante et je suis impatiente de vous retrouver. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie et nous clôturons notre session. Merci, c'était un plaisir.